Ok, hamster 2, ok. Mais c'est quoi cette livrée pour les Hadis? T'as pu décider de prendre le truc le plus moche qui existait? Ou alors ceux qui ont fait exprès. Vraiment bizarre. Ouais. Oh oui, non, non, mais je sais, mais elle est vraiment moche. Ouais. Hamster 2, ok. Qui arrivera pas en vertical. Oh, et puis là, de toute façon, on est léger, donc... Encore par rapport au MiG-21. Non, pour l'instant, moi, c'est nickel. Après, je suis pas sûr hein, que le son joue, enfin la hauteur des paramètres de son joue sur quelque chose. Parce que je crois que c'est plutôt en fait quand tu fais jouer un son, c'est plutôt un truc type son cockpit en fait. Parce que rappelle-toi quand j'avais fait des missions où il y avait de la musique, on entendait bien la musique. Oui, oui. Du coup, moi je tourne autour du Tarawa. Je viens de balancer un flair, c'est moi. Je suis à, pas info, je suis à 6, je suis à 650 RPM. L'arrière, pensez quand même à régler votre bingo. Parce que là, la mission qu'on avait fait la dernière fois, j'avais fait 2000, puis finalement j'ai fait 1500, c'était juste, ça a été chaud. J'essaie de maintenir mon altitude. Oui. Dommage, je pense que le maintien d'altitude fonctionne pas quand même. Bah, c'est pas... Le Hadis, si tu veux, là, tu mettais maintien d'altitude, le truc continue à tourner, tu lâchais le manche en fait. Je crois pas. Hein? Q-fil, tu mets vers le bas. Bah, parce que quand tu mets vers le bas, il est en off le Q-fil. Oui. Ok, bah du coup je vais essayer. Tu mets en position vers le haut, c'est ça? C'est l'AFC, c'est ça? Ah oui, effectivement. Oui, alors que moi, je crois que c'était le Alt-Hold à côté que j'avais essayé. Bon, il ne me reste plus que ça à paramétrer sur le... Oui, effectivement. Oui. Ok. Ok. Allez, petite rotation sur la droite. En tout cas là le serveur tient nickel. Hein. C'est le moment où tu dis ça, gros crash. C'est toujours dans ces cas-là. Non mais c'est vrai qu'en plus c'est sympa de faire des missions dans ce secteur-là parce que c'est tellement tellement rare qu'on vole de ce côté-là. Ok, alignement. Je repasse en vol tout droit. Ils ont les mêmes waypoints. On est à 3008. Bah après on peut monter hein. Ok, petite montée 10 degrés. Je réaugmente les gaz. Hein. Je repasse à 800 RPM. Montée 10 degrés. Ok, ça va être foireux, 5 degrés. J'essaie de me maintenir à 5 degrés. J'ai le malheur de tourner la tête. Ouais, après on peut... du coup je vous propose qu'on vole pas trop haut. On va se stabiliser à 10 000, parce que vous en pensez. Ok, on stabilise. On est à 16. Altitude 10 000 pieds, donc 800 en RP. Ok, nous on est à 30 secondes. Alors ce que je fais, c'est j'ai ralentir, on repasse à 600 RPM. Ok, on passe d'Est 03, 600 RPM, on est à peu près à 440 nœuds. Je suis bon, moi je suis à 6000. Là, on est à 7 minutes du Waypoint 3, 53 nautiques. C'est chiant ce HUD qui est un peu, ce panneau sous l'HUD qui est un peu trop gros, tu vois pas le bout des écrans. Bah, en fait, c'est surtout que tu as des espèces de petits boutons, des petits trucs d'alerte en fait sur le côté qui font un truc en plus. C'est plutôt ça en fait les problèmes, j'ai l'impression. Moi j'ai l'impression que pour l'instant ils ont l'air de se concentrer sur le truc de navigation du Harrier. J'avais vu qu'ils avaient mis un truc comme quoi qu'en fait ils avaient énormément dû faire de programmation juste pour avoir la carte en fait sur au niveau de la boussole. Au niveau du détroit. C'est au niveau du détroit. C'est quand même dommage qu'ils aient pas fait un petit truc en Crimée, etc. Ça aurait pu être sympa. Oui. ou au moins ça aurait pu être sympa aussi de mettre juste un aéroport, un ou deux aéroports en Turquie, hein. Même si c'est pas fait pour que il y a traversée de la mer à faire. Après, je veux dire, entre guillemets, c'est pas grave si c'est une copie. Ils mettent deux copies collées de Senaki, ils changent le nom, ils appellent ça. Bah ouais, oui. Et puis quand ça serait, les joueurs hurleraient, mais quoi, vous avez pas mis les bons aéroports, machin, bidule. Ouais. J'ai une légère correction sur la droite, hein, on dévie un poil de la route pour les Harrier. J'essaie de corriger au palo, voir si ça fonctionne. Ok, nous on est à 1 minute 45, 13 nœuds. Je suis mis en vue F2 sur toi, je ne vois point non plus. Si tu le dis, je te fais confiance. Ok, on passe waypoint 4. On est à... Ok, nouveau en position. J'ai remis ma teinte d'altitude. Toujours 600 RPM. Enfin 600. Ouais, ça ressemble à une grichin, un truc comme ça. Petit truc... Et si tu fais des screens via Windows G, Saipan. Ah oui. D'ailleurs c'est cool, je trouve qu'on puisse. Du coup Flappy, tu veux atterrir en premier. Oui. Puis j'atterrirai en dernier. Ouais. Bah du coup allez-y, hein, je continue sur ce... Ouais, les 2000, on voit vos traînées. Du waypoint, là, on est à 12 nautiques. Oui. Ouais. Tout à fait. Ok, moi je vais me mettre je me mets en orbite trop. Ok, moi je suis en rotatif vers le Tarawa. je vous confirme. En fait, du moment que tu passes pas dans le cul. Vas-y, Vital. Ouais, mais en fait, dès que tu vois que tu commences à descendre, parfois, en fait, c'est vraiment le truc à regarder. Ouais. Ouais, mais en fait, t'as pas suffisamment de puissance en fait pour te contrer, donc réellement tu tombes. Mais les tuyères vers l'arrière. Ok. En fait, le problème, c'est que quand tu fais du vertical, il faut que tu pèses pas grand-chose, en fait. Ah, bah, oui, de toute façon, t'as pas de puissance, pas suffisamment la puissance moteur pour le faire, quoi. Mm. Ok, du coup, je suis en approche. Oh non, je pense que tu peux demander l'arrière. Alors, par contre, t'es où sur la piste? Ouais. Ouais, mais alors après, si... Ok, salut. Landing gear. Bah dis-toi que tu peux tourner très énormément. Hein. Putain, je suis trop rapide. De toute façon, vous reprenez les waypoints en sens inverse. Putain, j'ai une chute de FPS moi. Qu'est-ce qui est instable? Je suis désolé, hein, du coup c'est un peu longuet. Et merde, fait chier.